Terminal 3. Bon. Alors, cette notion d'inconscient, vous y avez réfléchi un peu? Briseville? Je sens que Briseville a quelque chose à nous dire, non? Toujours dans le coma, Briseville? Personne d'autre? Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Bon, d'abord, les classiques et Bergson. Pour eux, la conscience, ça n'existe pas. C'est l'ensemble des souvenirs auxquels on ne pense pas dans le moment, mais qu'un effort de mémoire suffit à rappeler. À ma connaissance, le seul intéressant, c'est Racine. Ces personnages comme Phèdre ou Pyrrhus, sous l'effet de la passion, sont dominés par des forces qui les manipulent. Ils sont comme possédés. Pour Racine, c'est Dieu qui agit. Seulement, les forces que ce Dieu utilise sont les mêmes que celles de l'inconscient freudien. Mademoiselle Mathilde, prenez ma place. Et puis à la fin du siècle dernier, il y a Freud. Bon, l'idée de l'inconscient était déjà dans l'air, mais lui, il la met en forme à partir de son expérience médicale. L'inconscient, c'est l'ensemble des souvenirs ou représentations refoulées, totalement ignorées du sujet, qui parfois réapparaissent sous la forme du symptôme. Ça veut dire que tous les gens sont agis par des forces, des désirs, des sentiments qu'ils ignorent totalement. Comme dans les névroses de destinée. C'est-à-dire? Ben, y a des gens qui sont comme prisonniers de leur destinée. Ils rencontrent toujours les mêmes drames, les mêmes amours malheureuses. On a l'impression qu'ils sont le jouet de la fatalité. Ben, pour la psychanalyse, ils sont prisonniers de leur inconscient. Mais c'est quoi exactement la psychanalyse? Au début, Freud essaie de soigner les hystériques, les malades atteints de troubles comme la paralysie, mais sans raison organique. Et en fait, ces gens sont prisonniers d'idées, de désirs refoulés et interdits, et donc inconscients. Et peu à peu, Freud arrive à vaincre les résistances du malade. Le souvenir traumatisant devient conscient, le malade en parle, et le symptôme disparaît. Et ça marche vraiment à tous les coups? Je vous donnerai le sujet de la dissertation demain. Mademoiselle Mathilde, je voudrais vous voir. C'était fantastique, tout ça. Tu pourras m'expliquer la différence. Mademoiselle. C'est quelle est ta prise? Vous avez été remarquable. Mon père psychiatre. Hein. Alors peut-être, mais c'est une culture que vous avez parfaitement digérée. Carpentier, j'ai un mot à dire à votre camarade. Vous savez qu'il y a une réunion à votre sujet chez le proviseur cet après-midi? Oui, ça doit être la prof de maths qui veut me faire vider. Ah, mais il n'y a pas qu'elle. Et à moi, vous n'avez rendu aucun devoir. Mais vous y allez? Oui, il y a 3 heures. Vous serez encore là après? Non, mais vous pouvez appeler pour me dire. On peut se voir chez moi si vous voulez. Vous me promettez de vous y mettre sérieusement? Pour vous, je veux bien. Comment ça pour moi?